Bon, alors donc, on avait prévu, après un échec là, il y a un mois, de parler du texte de Lacan de 1946 qui s'appelle Propos sur la causalité psychique. Et ce qui tombe très bien, c'est que notre ami Pierre Belon avait déjà travaillé un petit peu un texte, comme il m'a dit tout à l'heure, à sa façon. Donc, bah, écoute, le mieux c'est que je te donne la parole, Pierre, que tu nous dises ce que tu souhaites nous transmettre. Tu parles assez fort. Alors, essaye de parler assez fort parce que là. Je vais essayer. Alors, oui, alors vraiment, la façon dont je l'ai présenté, c'est la façon. Ce qui me paraît très intéressant, c'est de suivre à travers ce texte le cheminement de quelqu'un qui ne connaît rien à la psychiatrie, qui ne connaît rien à la psychanalyse, qui ne connaît rien à la causalité. Hein, qui est en propédeutique de la vie, si on peut dire, hein, et qui commence à cheminer un petit peu sur cette question de la cause. Hein. Alors, effectivement, on est renvoyé d'emblée par le texte de Lacan à la situation de la psychiatrie en 1966 à peu près. Hein, moi, c'est là que j'ai débuté. Hein. À ce moment-là, effectivement, on est surpris parce qu'on nous dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Freud qui a fait une révolution, mais on nous dit qu'il y a des tas d'autres gens qui parlent de choses intéressantes. Et en psychologie en particulier, on apprend plein de théories, plein de choses comme ça. Et effectivement, on est amené à délirer, enfin non pas à délirer, à fantasmer, hein, c'est préférable de dire ça comme ça, mais c'est un peu la même chose dans le fond. Sur nos propres visions de la causalité. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on va découvrir la cause de toute chose à travers nos études universitaires. Et là, Lacan nous le rappelle dès le début, il nous montre que, bien, effectivement, de quoi on parle? On parle beaucoup à l'époque, puisque c'est le grand copain de Lacan d'ailleurs, et il est presque plus connu que Lacan à l'époque. De Henriet. Henriet, il est un des tenants de l'organodynamisme et il est très charismatique, très agréable à écouter. Il donne des conférences à la chapelle, à l'hôpital Sainte-Anne. Et bon, on apprend qu'il défend les théories d'un Américain qui s'appelle Eugene Jackson. Et il tente de nous parler de l'organodynamisme, c'est-à-dire qu'il essaie de conjuguer ce qu'on appelle les causes physiques avec les causes psychiques. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que jeunes étudiants de cette époque-là? Ben, c'est que pour nous, les causes physiques et les causes psychiques, c'est du kiff-kiff. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va trouver la cause des maladies mentales à travers, évidemment, l'écoute des patients et que c'est quelque chose qui va se faire un petit peu comme quand on fait une observation ou en médecine classique du corps ou bien en physique ou bien n'importe. Et effectivement, on entend parler de Freud et puis on a le fameux schéma, moi, ça sur moi, ça, on n'y comprend rien. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord au départ quand on apprend ça pour la première fois, on l'apprend par cœur, bon, mais on fait sa petite réalité là-dessus, mais c'est pas grand-chose. En réalité, on a l'impression que Freud, il va nous enseigner quelque chose qui va nous faire déboucher sur la vérité d'une cause physique, d'une cause, en quelque sorte, plus que physique, d'une cause totale, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que on va avoir tous les éléments, la réalité totale hein, de la science, hein, va nous montrer ce que c'est que l'âme humaine et comment elle fonctionne. Et alors là, Lacan, il nous prend à rebours et il nous dit non, non, non. Je vais d'abord vous critiquer l'organodynamisme de Henriet. Et là, il dit, enfin mot pour mot, que Henriet est enfermé dans une topologie de la cause physique. Et que cette cause physique, De la cause physique.
de la cause physique, hein. Enfin, moi, je l'ai traduit comme Cause ça, hein. physique. Attends, excuse-moi. De la cause physique, hein. Physique, ouais. Physique, hein, physique, la physis. Et cette cause physique, elle est limitée aux deux dimensions de l'étendue cartésienne. Alors, il faut prendre des bouquins, hein, pour savoir comprendre ce que ça veut dire, ça, parce que l'étendue cartésienne, on ne sait pas ce que c'est au départ. Alors, l'étendue cartésienne, c'est un ensemble qui est constitué par un objet qui est dans un vase et tout ce qui entoure ce vase, tout ce qui entoure cet objet à l'intérieur du vase. Ça, c'est l'étendue cartésienne. Tous les éléments de la réalité physique nous apparaissent comme cela. Il y a quelque chose dans le vase, et puis il y a tout ce qui est autour de ce quelque chose à l'extérieur du vase. Maintenant, effectivement, tout se joue dans cet espace, hein, comme dans le registre de l'étendue, c'est des molécules qui se télescopent les unes les autres, ça c'est Lacan qui le dit, hein, et effectivement, toute la causalité scientifique va se trouver rivetée là-dessus. Alors, ce que Lacan rappelle, c'est une petite histoire anecdotique entre lui et Henriet quand ils étaient jeunes psychiatres ou étudiants en psychiatrie. Ils parlaient toujours de quelque chose qui est un petit peu particulier, qui est le petit bonhomme qui est dans l'homme. Alors, effectivement, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire. C'est quelque chose qui a à voir avec une vieille énigme de l'Antiquité qui a été posée par Polixène, hein. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui dans chaque objet, hein, désigne en quelque sorte un troisième homme, quelque chose qui est à l'extérieur. Et c'est celui qui regarde l'étendue. Mais où le poser, celui qui regarde l'étendue? Alors, Lacan dit qu'il y a obligatoirement, d'un côté, l'étendue, ça, on est d'accord, c'est de la géométrie, plane ou dans l'espace, ça n'a pas d'importance, hein. Ça, c'est la géométrie, avec ses règles, ses démonstrations, ses gnomons, comme dit Lacan, hein, c'est-à-dire, en quelque sorte, ces choses qui, à partir d'un cas, va permettre de généraliser à la totalité des cas contenus dans une espèce, dans une étendue. Et puis, eh bien, il y a le quelqu'un qui va penser cette chose. Et cette pensée de la chose, c'est le petit homme qui est dans la chose, dans l'homme, par exemple, dans l'étendue de l'homme que l'on examine quand on est médecin, par exemple. Quand on est médecin, on examine une étendue, un corps et une étendue humaine. Et alors, vient intervenir quelque chose qui est une dimension supplémentaire sur le plan topologique. Et cette dimension supplémentaire sur le plan topologique, on n'y comprend pas grand-chose au départ. Parce que qu'est-ce que c'est que cette troisième dimension? Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'axe X, Y et Z, hein. C'est autre chose. C'est quelque chose qui effectivement fait que c'est pas la même chose, la chose en elle-même, et puis la pensée de cette chose. Alors là, donc effectivement, on va tomber sur la définition que les philosophes et les gens vont donner en général de l'objet, hein, et cet objet, on l'a pris dans la physique et on l'a étendu aussi à la psyché, à la psyché, à la psychique, hein. Et là, Lacan dit qu'il voudrait arriver à donner une définition de l'objet de recherche dont on cherche la vérité, hein, mais qui soit vraiment scientifique, parce que
Si on laisse l'histoire de celui qui pense l'objet de côté, eh bien, effectivement, on en reste toujours riveté à une conception en quelque sorte insuffisante et on ne comprend pas du tout, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et il dit que Henriet, en dépit de ses volontés de faire de l'organodynamisme, ben, il fait de l'organodynamisme si on veut, mais il y a le corps d'un côté, ben, il a des objets du corps, et puis il y a l'âme de l'autre, ben, il y a des objets de l'âme. Hein, et puis les objets de l'âme et les objets du corps, ils interagissent sur le mode de l'étendue, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui interagissent les unes sur les autres. Mais en réalité, nous, on a accès à ça par l'intermédiaire de quelque chose d'autre qui est notre pensée. Alors, c'est là qu'il va dire, il n'y a pas d'objet tout court, il n'y a que des objets petit a. Hein, c'est ça qu'il va. Et comment il va instituer ça? Il va se servir. Moi, je ne sais pas, j'ai retrouvé ça au fil des lectures. Hein, dans La potière jalouse de Lévi-Strauss, quand il décrit la bouteille de Klein et quand il montre en quelque sorte cette espèce d'usage que les gens font du tube qui de cette espèce de mythe, du mythe de la lune, hein, c'est-à-dire que la lune a été écrabouillée un jour ou l'autre, on l'a mis dans un espèce de sac, elle ne peut pas en sortir. Hein, mais il y a quelqu'un qui a introduit un tube à l'intérieur, qui est le tube de la pensée en quelque sorte, hein, et ce tube de la pensée va permettre à la lune de sortir. Et c'est à partir de ce moment-là que va apparaître le troisième élément, c'est-à-dire le petit homme qui est dans l'homme. Hein. Et à partir de ce moment-là, hein, eh bien, effectivement, on a cette réflexion de Lacan, qui dit Descartes, il est resté dans l'espace à deux dimensions en assimilant je pense, donc je suis dans le même espace à deux dimensions. Mais on ne peut pas dire cela comme ça. Il y a un lieu supplémentaire, une troisième dimension, là où je pense, je ne suis pas, et là où je suis, je ne pense pas. Vous vous rappelez de cette phrase célèbre de Lacan, elle n'est pas facile à comprendre au départ, mais elle est particulièrement évidente dans la clinique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, hein, c'est que dans la clinique, quand le patient, ou même soi-même d'ailleurs, hein, quand on est analysant sur le divan, hein, quand on est dans la recherche de l'objet de quelque chose, d'une bagarre, de l'objet d'un conflit, de l'objet de quelque chose comme ça, hein, eh bien, on a énormément de mal à sortir de l'espace à deux dimensions et à passer justement, s'élever au-dessus, hein, et s'apercevoir que non, la pensée, elle doit être en dehors en dehors de ça. Tant qu'on est dans la chose, on est dans le ressentiment. Tant que je n'aurai pas obtenu réparation, hein, ma femme m'a dit un gros mot ce matin, et bien, tant qu'elle n'aura pas enlevé ce gros mot, et bien, je ne pourrai pas aller bien. Hein. Et ça, je crois que ce ressentiment, c'est la maladie habituelle de l'homme, quoi. Hein. C'est les conséquences fâcheuses de la frustration. Hein. Et effectivement, l'avènement du sujet est la seule possibilité pour l'homme d'en sortir. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas trop troublé par ce que je viens de vous dire? Attends, moi ce que tu dis m'évoque ce troisième petit homme là, ce petit homme à l'intérieur de l'homme. Est-ce que tu connectes cela avec la dimension du regard? C'est-à-dire que si bon, je crois Lacan s'est appesanti là-dessus. Où, par exemple, tu es dans une pièce et le soir, et il y a une fenêtre où il n'y a pas de rideau, et eh bien tu peux très bien imaginer qu'il y a un regard, qu'il y a un autre. Ce qu'il appelle la petite pièce de métal qui est sur l'eau là-bas,
hein, Oui. et que quand tu es sur un bateau, sur la mer, hein, et effectivement, tu as un regard, et c'est l'instant de voir le regard, je suis tout à fait d'accord. C'est le moment où, à ce moment-là, va poindre l'idée, hein, l'idée d'une pensée. Alors, oui. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur le bateau où je suis, hein, mais qui est en même temps sous le regard d'un tiers. Ça m'évoque un souvenir. Une fois, j'étais arrêté comme ça à un feu rouge, et puis quelqu'un traverse le feu rouge devant moi, et il a un sandwich à la main, et puis il regarde complètement effaré le contenu de son sandwich, et il s'aperçoit que je le regarde. Et il a éclaté de rire de voir qu'il y avait un regard, quoi. C'est-à-dire que le sandwich change, n'est plus du tout le même. Ah oui, voilà. Qu'est-ce qui Exactement. apparaît là-dedans? Tu te rends compte? Exactement. Hein, c'est tout le rapport, toute la causalité psychique de ce sandwich. Qu'est-ce qui vient fiche ce sandwich-là? Est-ce que c'est un homme qui avait faim? Est-ce que c'est un homme qui est en colère? Est-ce que c'est un homme qui vient de subir une déception? Est-ce que c'est... Voilà, hein. Et tout à coup, effectivement, sous le poids du regard, va apparaître une pensée, une distanciation. Alors, est-ce qu'on peut prolonger cela sur la dimension biblique du regard comment il s'appelle, Caïn Caïn et Abel. et Abel, que même Ah, l'œil, oui, on dit l'œil maintenant, c'est le regard, quoi, qui est là, même dans la tombe, quoi. Hein, c'est ça. ah ben absolument, absolument, si tu veux. Ben je parlais de ça justement hier dans un petit truc où j'essayais de parler un petit peu de cette question de l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire que l'éthique, c'est d'une part quelque chose qui regarde le socius, c'est-à-dire que l'éthique, c'est quelque chose que avec des règles de morale, avec des règles de déontologie, des choses comme ça. Mais le fond même de l'éthique, c'est pourquoi je fais ceci? Quels sont les pourquoi? Ben, bon, c'est mon désir, hein? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire là? Hein? Eh bien, ce quelque chose, ce pour qu'est-ce que je suis en train de se faire là, la plupart du temps, ne se pose pas la question. C'est là que l'analyse va introduire quelque chose. Sous le regard de l'analyste, hein, il va y avoir quelque chose qui va être questionné. Mais bon sang, qu'est-ce que je suis en train de fiche avec ce sandwich? Hein? Et je pense, et je le disais à propos de quelque chose, tu sais, quand par exemple il t'arrive quelque chose, tu as un de tes amis, il t'a pas envoyé ses vœux à Noël alors que toi tu lui as envoyé une gentille lettre, etc., etc. T'es en pétard contre lui, tu te dis quel salopard, etc., etc. Et ben pendant toute la durée du conflit, tant qu'on n'aura pas pu s'élever au-delà de tout ça, hein, eh bien ce sera, ben j'espère bien qu'il va me rappeler quand même pour s'excuser. Hein. Et puis s'il ne s'excuse pas, ben, ça ne sera plus mon ami, puis je vais le zigouiller au premier coup, au premier coup de possibilité. Hein. Enfin, ces différents exemples-là qu'on est en train de donner, y compris bien sûr Caïn et Abel, ce regard, c'est un regard qui est habité. C'est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un regard d'homme. C'est un homme qui est là. C'est pas simplement comme la boîte de conserve dont parle Lacan dans ce bateau là. C'est véritablement quelque chose qui peut être chargé de toute la culpabilité ou de toute l'altérité. Là, dans le petit exemple que je raconte, c'était de l'altérité. Il était seul avec son sandwich, et d'un seul coup, il y a eu une troisième personne qui l'a regardé en train de regarder son. T'es pris en sandwich, hein? Son sandwich.
Est-ce qu'on n'est pas du côté du grand hôte? Parce que justement, le morceau de métal qu'on voit briller là, sur l'océan, c'est quelque chose qui a à voir avec le grand hôte. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas dans un chapitre qui s'appelle Le grand hôte ou un truc comme ça qu'il en parle. Dans ses premiers séminaires, hein, ça c'est. Mais c'est plus haut, mais effectivement, Au niveau c'est. pontif, ça. Non, il a, non, c'est Freud, Lacan, qui raconte qu'à un moment, en tant qu'un peu naïf, il était parti accompagner des pêcheurs sur la D'accord. mer, quoi. Et puis un des pêcheurs voit dans l'eau, je sais pas, une boîte de conserve qui flotte. Et il lui dit, cette boîte, toi, tu la vois, mais elle ne te voit pas, ou l'inverse. Et donc, il y a tout un jeu, et Lacan l'interprète comme l'opposition d'un sachant avec sa naïveté à lui, de sa position de scientifique, on va dire. C'est la boîte, c'est pas la boîte qui le regarde, c'est pas ça? Si, si, Ouais, c'est ça, c'est ouais. ça, C'est la oui, c'est boîte qui ça. me regarde. Ouais, Oui. Mais c'est le pêcheur qui lui fait cette remarque. C'est là que il y a une énorme différence entre la psychanalyse et la psychothérapie. Hein? C'est-à-dire que si tu te dépêches de lui dire, mais non, c'est une boîte de conserve, c'est Enfin. foutu. Également, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire à l'instant, de la nécessité de la double négation, quoi. Hein? Il n'est pas vrai qu'elle ne te regarde pas. Hein? Ah oui, tout à fait, oui, absolument. Là, la double négation est nécessaire parce que Voilà. tu as tellement besoin de nier justement le rôle essentiel de ce rôle. Absolument, sinon ça paraît extrêmement trivial et du niveau ou d'une naïveté ou d'un très mauvais psychologue, psychothérapeute. Hein, sur ce. Parce que j'avais effectivement essayé de regarder dans les. Alors ça, c'était la première partie. Hein, c'est ce que j'ai le résumé de ce que j'ai tiré de la première partie. Dans la deuxième partie, le titre, je crois, c'est la causalité essentielle de la folie. Hein. Oui. C'est-à-dire, c'est la causalité psychique, c'est la causalité de la folie. C'est une question que l'on vient se poser. C'est-à-dire, la folie. Au sens le plus générique du terme, c'est mais pourquoi donc il a fait ça? Pourquoi donc il m'a dit ça? Pourquoi, donc, quelle est la cause psychique de ce phénomène que, en tant que médecin, je suis en train d'observer? Le médecin, lui, il va chercher une cause physique. Mais Freud, il va nous amener autre chose qui est la cause psychique. Et quels sont les éléments? Alors, ça, c'est tout le Lacan du début, évidemment. Hein. Quels sont les ouvrages fondamentaux de Freud? Eh bien, c'est les processus inconscients. Hein. Les processus inconscients qu'il découvre à travers les rêves, les actes de la vie quotidienne et le vice. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il découvre? L'antagonisme de deux tendances opposées, qu'il appellera les pulsions. Hein. Le conflit entre le ça, le moi, le surmoi, si on peut dire, hein, oui, je la baiserai bien, mais malgré tout, c'est pas bien, ou je risque de me faire descendre par son mari. C'est le conflit des instances. Et puis alors, la question de, bon, bah, elle m'intéresse, des investissements, quoi, ça m'intéresse, pourquoi je m'intéresse à ça? Pourquoi je m'intéresse à un clope que je veux fumer, alors qu'un clope, que ça n'a aucun intérêt au point de vue physique, si on peut dire, hein. Et là, ces processus psychiques inconscients, c'est le centre d'intérêt de Freud. Et puis, d'autre part, les défenses, le fameux mécanisme de défense du moi. Hein. C'est-à-dire que, bah évidemment, que l'on trouve dans les rêves, dans les lapsus, dans les actes manqués, et puis aussi dans la sublimation, dans les créations culturelles, dans l'écriture des bouquins, dans les compositions musicales, etc. Et puis aussi, enfin, le dernier point, hein,
c'est les symptômes névrotiques et les symptômes psychotiques, qui au début d'ailleurs sont très très mal distingués, parce que il faut quand même se rendre compte que au temps de Freud, on ne fait pas tellement la différence, hein, entre la névrose et la psychose. On a l'impression que la névrose, on va trouver automatiquement une explication de physique, hein, des névroses organiques, si on peut dire, hein. On est quasiment sûr, quand le mot névrose, d'ailleurs, tu sais, on le dit souvent, névrose, c'est un mot qui signifie inflammation des nerfs, hein. Ah oui. Inflammation des nerfs, donc tu vois, hein, la névrose obsessionnelle et la névrose hystérique et la névrose phobique, c'est une inflammation des nerfs. Des nerfs de la phobie, des nerfs de. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais c'est idiot, quoi. Hein. Et la psychose, eh bien, la psychose, effectivement, elle est toute mélangée, parce que dans les psychoses, il y a les anciens traumas crâniens, il y a les blessures par balles, il y a les démences, il y a tout ça. C'est le cerveau qui est en train de se détériorer. Hein, et puis les démences vésaniques, c'est-à-dire celles dont on ne trouve pas la cause, ben c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas encore assez bien cherché. Hein. Donc à l'époque, ces éléments-là, on en cherche la cause, mais uniquement à travers des causalités physiques. On laisse de côté la causalité psychique. Hein. Et alors, je crois que c'est Lacan rappelle à ce moment-là, hein, en latin, on parle à ce sujet-là de l'omnitudo realitatis, la réalité totale, hein, la réalité totale qui va tenir compte de tous les éléments qui peuvent composer cette réalité. Eh bien, là, Freud va introduire une notion différente qui est celle de réalité psychique, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le sujet prend valeur de réalité. Et la réalité psychique, on y a accès par un truc que maintenant on connaît bien, mais à l'époque on ne savait même pas quel mot on devait employer pour le dire, c'est le mot fantasme. Fantasie en allemand. Hein. Donc il utilise, il montre que le fantasme, tout est fantasme en réalité. Hein. D'ailleurs, Einstein a tout découvert par ses fantasmes, en gros. Hein? Enfin, je crois que ça, c'est quelque chose, quand on le dit au grand public, il dit, mais il est fou celui-là. Mais non, c'est comme ça que ça en fait. Quand le président de la République, il raconte des trucs pour dire qu'il veut le bien du pays, c'est des fantasmes. Enfin, tout ça, on le sait bien. Hein? Tu es d'accord là-dessus? Enfin, nous sommes Oui, d'accord. plus que d'accord, malheureusement. Là, c'est une question de vocabulaire, c'est-à-dire qu'on va substituer à une omnitudo realitatis, hein. D'ailleurs, on la voit bien fonctionner, cette omnitudo realitatis, dans les dogmes de la religion, par exemple. Hein. Quand on voit à quel point on a pu amener des sanctions physiques extrêmement sévères pour des fautes qui étaient simplement d'idéologique, hein, et que les gens, simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord, on leur coupait la tête ou les membres ou n'importe quoi. C'est certain qu'on était bloqués, rivetés. Alors, pour moi, c'est un petit peu ça la révolution freudienne, hein. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Hein. Et ça, Freud le dit, lui, dans ses premiers ouvrages. On sait que ça a été redit dans sa vie aussi. Il a été très très tôt dans sa carrière voir Charcot à la Salpêtrière. Et Charcot, on se demande bien maintenant ce qu'il a pu apporter à la psychiatrie, mais c'était quand même quelqu'un qui était considéré comme le grand patron de la psychiatrie française. Hein. Et ce que disait ça Charcot, ça c'est ce que selon Freud, c'est que les paralysies hystériques, alors là, hyper somatiques, hein, si on peut dire, hein, étaient le résultat de représentations. C'est là que Freud amène la notion de Le Vorstellung, de représentation. Représentation
Et ce sont les représentations qui commandent au cerveau. C'est plus Oui. les nerfs, c'est plus les, hein, les le... C'est vrai que c'est une dimension tout à fait révolutionnaire, effectivement. C'est un changement total de Oui. paradigme. La C'est important que charcot, tu oui. mettes le doigt là-dessus, Oui. effectivement. Oui. Et c'est là d'ailleurs qu'il a pu énoncer, enfin, quelque chose qui est comme, enfin, il l'a dit de différentes façons, hein, mais que les manifestations symptomatiques des névrosés, hein, n'ont pas d'autre origine qu'un changement dans leur vie psychique, sur leur corps. Hein, le changement dans leur vie psychique introduit quelque chose dans leur corps. La cause première du trouble, c'est le psychique. C'est pas, et ça, maintenant, ça nous paraît absolument évident, mais qu'est-ce que ça a dû être critiqué à l'époque? Je pense que Oui. ça ne devait pas être facile à faire passer. Alors d'ailleurs, c'est même très amusant parce que, enfin, je pense que vous en serez tous d'accord. Moi, toute ma carrière, au début, alors là, je ne te dis pas, il y en avait plein qui étaient des organicistes à tout craint. Hein. Oh là là, tu nous fais rigoler avec ta psychanalyse et ta causalité psychique. Tu parles, hein, il y a toujours une explication. Hein. Quand tu es enrhumé, c'est toujours un virus. Hein. Tu n'as pas le droit, en tant que médecin, de t'abaisser à des imbécillités pareilles. Hein, vous connaissez ce discours. Et à l'heure actuelle, où quand même, on va dire que l'opinion publique a quand même peu à peu, hein, intégré l'idée qu'il y avait une causalité psychique, eh bien, il y a encore des gens qui se rebellent en disant, oh là là, c'est un psychanalyste, mais il va encore nous embêter. Enfin, toutes les maladies ont une cause physique, enfin, hein. Et on l'entend encore régulièrement. Moi, je l'ai encore entendu ce week-end. Hein. C'est pas, ça, c'est automatique. Voilà. Donc, il y a. Mais là, quand même, je crois que j'avais jamais mesuré l'importance de Charcot en termes de changement de paradigme, en fait. Parce que Ah oui. pour nous, le changement de paradigme, c'est Freud. Mais cette dimension Il y a Bleur aussi, hein. est bleuère, oui. Bleur. Hein. Mais là, c'est vrai que je crois que tu mets le doigt sur quelque chose de très très Ah, important. infini. C'est que c'est presque, on pourrait dire que c'est l'inventeur de la préhistoire de la psychanalyse, Charcot, d'une certaine façon, ce qui n'est pas du tout évident quand on est attaché à l'œuvre de Freud, hein. On peut compléter ça aussi, si tu veux, c'est que Charcot, c'était un véritable metteur en scène de théâtre. Hein. Ce qu'il faisait à la Salpêtrière, c'était on aurait pu appeler ça la comédie de la Salpêtrière. Hein, parce que les gens, il y avait du public non médical, hein, qui assistait. On l'a souvent dit, il y avait la haute bourgeoisie, les femmes avec des tenues, des beaux habits, etc., venaient assister aux démonstrations de Charcot. Or, moi je dis souvent à mes amis, ne pensez pas que la psychanalyse, ce serait complètement idiot d'imaginer que la psychanalyse, vous allez peut-être me critiquer là, est née avec Freud. La psychanalyse, il y en avait autant des comiques latins. Autant d'Aristophane, hein, qui était un des premiers grands psychanalystes. Et je pense que c'est, bon, évidemment, il faut raison garder, mais il est certain que la tragédie et la comédie ont été considérées du temps d'Aristote comme des thérapeutiques, et des thérapeutiques très très importantes. À l'époque, on ne rigolait pas avec ça. D'ailleurs, si on prend la mesure de ce que devait coûter l'organisation des Dionysies, L'organisation des... des Dionysies, hein, ou des bacchanales, hein, en Grèce ou chez les Romains, hein, eh bien, ça devait coûter une fortune.
C'était des manifestations qui, il y avait du peuple, il y avait forcément des constructions à faire, il fallait demander à des architectes de faire des grands amphithéâtres, il fallait certainement des protections policières, parce que sinon ça aurait été la pagaille, hein. Il devait y en avoir un peu, mais il y avait certainement une organisation sociale de tout ça. Il fallait bien quand même que les gens, on les fasse passer par la même porte. Donc, il y avait forcément une sorte de, on va dire, comment on appelle ça, des gardiens là, qui sont là pour empêcher qu'au Stade de France, ça se bouscule Oui, trop, quoi. voilà. Hein? Et je pense que, donc, effectivement, là, on arrive, donc, Lacan nous montre qu'il y a effectivement une nécessité de concevoir une psychogénèse authentique, plus certaine que celle d'Henriet. Hein. Et il dit que d'ailleurs, Henriet lui-même l'a incité à le critiquer en disant qu'il ne comprenait, Henriet disant qu'il ne pouvait même plus comprendre ce que l'idée de psychogénèse pouvait signifier. Ça, c'est bien possible, hein, parce que c'était des gens qui parlaient spontanément de leurs doutes, hein, et de leurs découvertes, hein. Et puis ils étaient quand même très très amis, hein, parce que c'est quand même drôlement gonflé, hein, d'arriver à un séminaire organisé par Henriet à Bonneval sur le thème de la causalité psychique et en disant, je vais commencer par vous faire une critique très 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 sérieuse de tout ce que dit Henriet. Oui, C'est pas mal. oui, Hein, oui. il faut le faire, ça, quand même. Hein, c'est pas, il fallait qu'ils aient confiance l'un en l'autre, quand même, pour que ça se passe comme ça. Hein, ils Rend sont. hommage. Pardon? Il lui rend hommage Ah, dès Henri? le début, Ah oui. oui, ah oui. Oh, bah oui, c'était des grands amis, puis ils s'estimaient énormément. Hein. Oh oui, je suis Oui. parfaitement d'accord. Oui, parfaitement d'accord. Hein. Donc, ce qu'ils cherchent, là, ça, c'est pas du tout à rentrer dans l'art d'Henriet, c'est de bien faire sortir quelque chose qui résulte de sa recherche personnelle. Un Oui, peu. de le mettre au travail. Ah oui, absolument, oui. Oui. Oui, je Alors. veux intervenir sur la genèse de la psychanalyse. Est-ce qu'elle n'apparaît pas avec la notion de trinité dès le christianisme, dès les débuts? Ah! Alors, moi, je la faisais remonter à Aristote, évidemment. Oui. Mais alors, peut-être que on pourrait parler de la causalité psychique plutôt que de la psychanalyse. L'idée Oui, de parce que je parlais causalité psychique. des racines de la psychanalyse dans cette notion, justement, d'un au-delà. Parce que dans le christianisme, c'est la Sainte Trinité, hein, qui apparaît, donc l'hérésie quand même. Hein, Oui. c'est absolument évident. Je crois que ce Et que puis c'est Lacan. la place vide. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je crois que effectivement, Lacan dit bien que. Alors ça, je me suis souvent interrogé là-dessus parce que j'étais pas forcément acquis à cette réponse. Il disait que la charité était née avec le christianisme. C'est-à-dire La qu'auparavant, charité. la charité. Hein, alors si vous voulez, là. Il faut faire peut-être on appelle ça une déviation, là, il faut imaginer qu'est-ce qui va se passer dans cette idée de charité. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va apparaître en plus de il va apparaître une dimension supplémentaire, c'est-à-dire que dans la charité, il va falloir que je pense, hein, c'est là que je reviens sur la première partie, hein, il va falloir que je pense à ce que je suis en train de faire par rapport à l'autre. C'est-à-dire que dans la charité, il n'y a pas que quelque chose comme il est tombé par terre, je le ramasse et je le soigne. Il y a quelque chose de plus, il va falloir que je sache vraiment ce dont il a besoin. Il va falloir que
je le considère comme une personne, que je le prenne en compte, et il va falloir qu'il y ait déjà une relation intersubjective qui s'établisse. Je sais pas si, et c'est là qu'apparaît justement la dimension supplémentaire de la charité. Et ça, je suis assez d'accord de dire que ça viendrait. Est-ce que c'est pas plus dans la possibilité de l'accès à la parole pour Oui. tous, pour la première fois, quelle que soit Absolument. Alors là, le je milieu suis. social, quelle que soit l'origine, quel que soit le. Absolument. Absolument. Là, je suis complètement d'accord. Hein. C'est ce qu'on L'accès à retrouve la. dans le texte, dans la plaidoirie de Lacan sur les fous, dans ce Ah, texte, justement. absolument. Absolument. Ah, bah, bien entendu, les fous, on considérait que tout ce qu'ils disaient. D'abord, à l'époque. On considérait qu'il y avait deux catégories de gens. Les fous, on les mettait à l'asile, et puis les pas fous, on les laissait à dehors. Bon, bah oui, mais ce que Lacan, il dit, mais non, les fous, il y en a partout. Et ça, je crois que c'est très important. C'est ça que je pense, la révolution. Bah, la révolution, c'est. Oui, elle est bien contenue dans le Nouveau Testament, hein. Elle est bien incluse dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire une interrogation sur ce que je fais, moi, et non pas sur ce que je fais parce que ça doit être fait au nom de la Torah, au nom de la Bible, au nom des injonctions faites à Abraham, etc. Non, c'est en tant que moi, hein, je décide de faire quelque chose comme ça. Donc quand tu dis accès à la parole, je suis tout à fait d'accord. Oui. Tout à fait d'accord avec cette idée. Hein. C'est en fait, oui, là je continuais sur cette idée de parce que j'ai fait un petit séminaire là-dessus, là, il n'y a pas très très longtemps, sur la question de la doxa, l'opinion. L'opinion, c'est en général. Quelqu'un, il a une opinion. Il a une opinion sur la qualité de quelqu'un, sur sa culpabilité. Il a une opinion sur il faut faire comme si. En plaisante, en disant il n'y a qu'à faux que. Hein, il n'y a qu'à faire. T'as qu'à pas manger de patates. T'as qu'à pas manger de légumes. T'as qu'à manger de la viande. T'as qu'à pas en manger. Etc. Et ces opinions, effectivement, ce sont des choses dont on oublie constamment de rappeler que ce sont des vérités, des choses que l'on tient pour vraies jusqu'à ce qu'on nous ait prouvé le contraire. Et effectivement, c'est le cas de tous les fantasmes. Tous les fantasmes sont des choses que l'on tient pour vraies pendant un certain temps, juste, mais en acceptant qu'on nous prouve le contraire. Oui, le point important, c'est d'accepter Voilà. l'acceptation, parce que on peut prouver le contraire, mais totalement refuser d'entendre et d'accepter cette preuve. Hein. Ça, Ah oui, par exemple, le oui, bah, par fondement, exemple. c'est l'acceptation. C'est le beyaung, c'est l'espèce de basculement, qui permet de permettre à la doxa d'avancer, quoi. Ben, elle s'oppose, je crois qu'on en avait parlé à propos des quatre causes d'Aristote, elle s'oppose à l'épistémé, épistémé, épistémologique, etc., hein, qui caractérise l'habileté pour réussir quelque chose, ou alors la connaissance de quelque chose. Je sais faire des meubles, hein, je sais faire une toiture, je sais construire une maison, etc., hein. Et ça, parce que j'ai appris, hein, par l'épistémé, à mettre en doute tous mes fantasmes, et au fur et à mesure que quelque chose de nouveau apparaissait, je corrigeais ma façon de le faire. Comme ça que sont construits tous les arts, hein, tous les arts. Il me semble qu'on en avait parlé, hein, doxa versus épistémé. Hein, et versus technique. Alors, bon, puisqu'on parle de ça, on peut juste faire une petite incise
sur ce qu'il en est de la structure du discours universitaire dont on avait longuement parlé à un moment, hein, où justement, dans cette fabrication du docteur, du nouveau docteur, il y a un refus justement d'évolution de la doxa. Hein, parce que lorsqu'elle vient contredire la position de celui qui détient le savoir et qui va donner le titre de docteur, eh bien, il y a bien la plupart du temps un refus extrêmement violent d'accepter cette preuve. Alors, je pense qu'on avait dit dans un groupe comme ça que c'était les affres du dogme, Oui. Hein, le dogmatisme. Voilà, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cessez de rire, maintenant on ne change plus. C'est une vérité, on n'y touche plus à celle-là. Et c'est sur des dogmes qu'ont été construites les pires abominations des religions. Hein. Oui. C'est-à-dire, évidemment, toute l'Inquisition. Notre ami Gérard appelle ça le 49-3. Le 49-3. Le 49-3. Ah, irruption du dogme. 49-3, deux points, irruption du dogme. C'est bien, ça. Alors, quand même, pour notre amie Lucinda, qui n'a pas la chance de vivre dans notre très beau pays, c'est comment nos hommes politiques arrivent à conjoindre ce qu'ils appellent la démocratie avec une forme de dictature. Mais on ne va pas détailler davantage. Est-ce que tu connais... Ah, excuse-moi, Lucinda. Est-ce que vous connaissez la phrase de Lacan en disant que de toute façon, en politique, on ne pouvait pas se passer de dictateur, sauf qu'il fallait qu'il soit là à titre temporaire. Oui, ah, c'est très bien. C'est bien. Vous connaissez pas. Très bien. Il a tout compris. Très bien. Pas le temps de faire des bons discours. Oui. Tout dépend de la durée du temporaire. Comme on dit, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Oui. Effectivement, moi, dans mon paragraphe, là, je terminais hein, sur les quatre discours, hein, en disant que effectivement, hein, c'est là où où on aboutit effectivement au discours de l'université, hein, où l'épistémé est caché au dénominateur à la place de la vérité. Tu peux reprendre ça? S'il te plaît. Le S2, qui est le résultat de l'épistémé, hein, c'est le savoir, hein, il est caché au dénominateur dans le discours de l'université, à la place que Lacan accorde à la vérité. Et l'objet petit a, il passe lui au numérateur, hein, comme conséquence et lien direct avec le sujet barré. Parce que c'est le seul accès que nous ayons à la vérité, c'est ça. Hein, bah, tu te rappelles quand on avait fait les quatre discours, quand tu avais parlé aussi des petites flèches qui permettaient de passer du dénominateur au numérateur. Oui. Hein, c'est-à-dire le plus de jouir, les petites bouffées de jouissance qui faisaient qu'on avait parfois l'impression de découvrir quelque chose. Voilà, et donc qui nécessite une temporalité, qui nécessite quelque chose qui n'est pas, qui prend du temps. Du temps. Alors, je concluais en disant, si tous les hommes sont fous, les psychiatres, les savants et les psychanalystes le sont aussi, hein, et la causalité psychique est la recherche de la cause de cette folie. Ça c'est parce que j'aime bien. Mais n'est pas fou qui veut. Ah, c'est vrai que c'est difficile, peut-être. Oui, une des raisons, en plus c'est ça qu'on constate souvent dans la clinique et dans notre clinique individuelle, c'est la
la peur de la folie comme, comme la peur au bord d'un précipice, quoi. C'est-à-dire que je constate chez des patients qui parfois refusent que leur traitement soit diminué de peur de ne pas pouvoir résister à la folie. Un petit peu comme Ulysse sur son bateau. Ils ont peur de ne pas pouvoir résister à la folie. Comme Ulysse qui entend les sirènes, quoi. Hein, et ils utilisent le médicament comme les liens qui attachaient Ulysse au mât de son navire. Ah oui. Est-ce que le fantasme, justement, n'est pas une protection à la folie ? Oui. Est-ce que c'est pas une manière de résister ? Là, vous parlez du traitement, mais de manière générale ? Oui, mais précisément, oui, mais tant que justement, on sait... Tant que justement, on sait n'en faire qu'un fantasme, mais justement, ce qu'on constate chez des patients qui ont été plus loin dans la folie, eh bien, ils savent que résister au fantasme est très difficile, de faire en sorte que le fantasme ne devienne pas quelque chose de l'ordre de la réalité, et sous forme d'hallucinatoire, par exemple. Hein, j'ai l'impression qu'on a dit du mal de moi, c'est pas la même chose que j'ai entendu dire qu'on a dit du mal de moi dans la rue, quoi. Ouais, c'est ce glissement et c'est une peur. Moi je vois dans les patients qui sont en train de mettre de l'autre côté leur psychose, c'est grâce à la peur. C'est grâce à la peur de ce précipice et effectivement les aider à diminuer leur traitement consiste à les aider à avoir confiance dans leur dans le fait qu'il y a probablement peut-être une autoprotection contre ce précipice. Alors, moi, je ne sais pas, je fais bien un petit commentaire, mais on va en parler dans la troisième partie, hein, sur « N'est pas fou qui veut ». Parce que « N'est pas fou qui veut », effectivement, la folie n'est pas une question de libre arbitre. Mm-hmm. Hein, on peut le dire comme ça. Hein, quand on veut quelque chose, c'est le libre arbitre, hein, qui fait qu'on peut vouloir quelque chose et l'obtenir d'une certaine manière dans le choix de nos conduites. Hein, on peut orienter nos conduites de telle ou telle manière. On a le libre arbitre de choisir, hein, de faire le bien ou de faire le mal, comme on dit en éthique. Hein. Eh bien, on n'est pas fou qui veut, effectivement. La folie n'est pas du domaine du libre arbitre, de la volonté, ni de la conscience. Moi, c'est comme ça que je l'entendrais plutôt. Hein. La folie est quelque chose qui nous est fichu dessus, hein, par la destinée humaine. Enfin, c'est un petit peu comme la critique que je ferais ou tout au moins la compréhension que j'aurais de n'est pas fou qui veut. N'est pas fou qui veut. Parce que l'hystérique, par exemple, ou le simulateur, hein, qui fait semblant d'être fou pour obtenir quelque chose, par exemple, hein, eh bien, oui, mais ça n'a rien à voir avec la folie. c'est pas de la folie, c'est du semblant habituel. Hein, c'est du semblant, c'est de la comédie, quoi. C'est pas de la folie. Oui. Bon, il se trouve que j'aurais envie d'avoir une approche légèrement différente. Je m'aperçois dans la clinique que j'ai que un monologue intérieur qui est poursuivi ou qui se produit pendant 24 heures sur 24, je pense que n'importe qui devient fou avec ce mécanisme. Une partie du travail, parce que c'est le travail psychiatrique, on va dire peut-être, travail psychiatrique, c'est d'enseigner
à ces patients à calmer ce dialogue intérieur, à leur permettre d'aller vers le silence. Parce que le non-silence d'un monologue intérieur qui n'arrête pas... Monologue ou dialogue? Oui, mais comme on est seul, appelons ça dialogue si on veut, mais moi, des fois j'appelle ça dialogue intérieur, c'est vrai. C'est le dialogue avec l'autre, le grand autre qui est à l'intérieur voilà, de soi. Voilà, hein. voilà. Eh bien, je ne suis pas certain... Comment? C'est les furies. Le dialogue intérieur, il y a en même temps les furies qui renvoient constamment des voix, quoi. Oui, et je pense que n'importe qui se forcerait ou pas à entretenir comme ça du discours en permanence devient fou. Et par contre, d'aller vers le silence... ramène dans le corps, quoi. Oui, parce que aussi, effectivement, ce dialogue avec ce grand autre te fait sortir de ton corps. C'est plus à ton corps que tu causes, c'est effectivement à un grand autre. Et ça, c'est la folie est là, quoi. Oui. Le délire est là. Mais quand le monologue, enfin, le dialogue intérieur plutôt, est continu, le sujet n'a pas. Difficile pour lui d'interrompre. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Presque il en mourrait, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est là où, bon... C'était un peu le cas avec Schreber et ses voix. Voilà. Si elle lui parlait plus, il était incapable. Bon, maintenant, il se trouve que la chimie moderne peut aider aussi à ralentir ce dialogue. Oui, vous disiez... Je disais, vous veniez de dire tout le monde est fou. Non. Le psychiatre, le psychanalyste, le psychothérapeute l'est tout autant. Le roi qui se prend pour un roi est fou. Oui, c'est pas vrai. Et je l'entends dans ce sens quand Lacan dit n'est pas fou qui veut. Encore faut-il le savoir qu'on est fou, l'appréhender, s'en être approché. Oui. Savoir y faire avec cette folie. Je l'entendais comme ça quand Lacan dit « n'est pas fou qui veut ». Là aussi, il y a une temporalité, le chemin est long avant de mesurer sa propre folie et d'être dans une sorte d'acceptation que nous sommes fous. C'est vrai que cette relation singulière à la folie, je la rapproche comment on appelle ça, du vertige qu'on peut avoir au bord d'une falaise, quoi. On sait que justement là on pourrait sauter et il suffit qu'il y ait une grande rambarde pour que, alors qu'on pourrait aussi escalader de la même façon, mais on n'a pas le vertige, quoi. Et ça, il me semble que je l'entends assez souvent chez des patients, quoi, qui sont dans ce processus d'avoir fait ce parcours et de tout faire pour ne plus se mettre dans cette situation-là, quoi. Mais c'est pas à la portée de tout ce monde-là. On peut peut-être partir de cette interrogation, justement, pour arriver à la troisième partie, hein, dans laquelle Lacan va aborder, en quelque sorte, il va s'interroger sur, justement, qu'est-ce que l'hallucination, l'hallucination qui est en même temps la fantasia, le fantasme, hein. Enfin, c'est tout au moins le fantasme, quand il reste collé à la réalité, c'est un fantasme, une fantaisie. Quand il s'échappe, quand il confine à l'erreur, ça devient une hallucination. Et ce fantasme, cette hallucination, eh bien, on la retrouve toujours dès que l'on conçoit
la relation avec le monde extérieur comme une relation sur le mode de l'étendue. Et il rapporte ça à une circonstance pathologique particulière qu'on appelle le transitivisme. Je pense que vous l'avez lu chez Lacan. Hein. Le transitivisme, c'est le moment où le patient ne fait plus de distinction entre ce qu'il pense et ce que l'autre pense. Ah oui. Ça se voit très très facilement en particulier dans les bouffées délirantes. Hein. Ça se voit beaucoup dans les modes d'entrée dans la schizophrénie. Ça se voit. Hein. Et à ce moment-là, c'est comme si les données objectives de la conscience, c'est-à-dire le corps propre, l'espace extérieur, le monde ambiant, etc., tout ça disparaît hein, pour aboutir à ce que la sensation soit attribuée simplement à une entité située à l'extérieur du sujet. Hein. Donc, un sentiment est apporté au monde extérieur. Alors, ce transitivisme, n'oublions pas que une fois qu'il est défini comme ça, on le voit apparaître dans l'histoire du regard. Hein. Quand tout à coup, la boîte de conserve, c'est l'autre qui est en train de m'observer pour voir si je fais bien ou pas bien les choses. Hein. C'est ça. Alors, le transitivisme, on en parle en psychiatrie, c'est le mécanisme de l'hallucination. Mais ce que Lacan dit dans sa troisième partie, ça c'est ça quand même très très intéressant, c'est qu'il l'étend beaucoup plus loin que les phénomènes hallucinatoires. Il dit que le transitivisme, c'est la loi générale du stade du miroir. Et ça, pardon. C'est la loi générale du stade du miroir. C'est le stade du miroir. Alors, je ne sais pas si, moi, vous l'avez sûrement comme moi lu 50 000 fois avant de comprendre quelque chose au stade du miroir, là-dessus. Hein, c'est le stade de la captation par l'autre. Hein, captation par l'autre qui va aboutir à cette espèce de rire inéluctable. Hein. Et cet autre, c'est « Ah, ah, qu'est-ce qui me ressemble ?» Vous vous rappelez que Lacan, quand il fait petit a prime, je ne sais pas si vous voyez ça, hein, eh bien, ce qu'il voit dans le miroir, c'est petit a pour lui. Hein. C'est la personne qui se regarde dans le miroir qui devient petit a prime. Je pense que vous avez fait attention à cette espèce d'inversion. Elle est particulière, hein. À savoir que souvent, comme ça, dans un premier truc, on dit, bah oui, il y a A, et puis il y a l'image de moi, A prime. Mais non, il y a moi, A prime, et puis l'image de moi, A. Hein, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein. Or, dans cette espèce de confusion, on a un phénomène de transitivisme, c'est-à-dire qu'il y a captation par l'autre. L'autre, c'est A, je suis l'autre, à peu près semblable à moi. Hein, il y a l'autre à peu près semblable à moi dans le mode de l'étendue, dans le mode de ce que je vois dans le miroir, dans le mode en quelque sorte, à deux dimensions, de l'espace à deux dimensions. Hein. Et cette action... Alors, parce qu'on la retrouve chez Aristote, hein, cette action, Lacan nous le répète, je crois, hein, c'est l'action transitive, c'est l'action qui précède toujours la production immanente de la sensation. C'est-à-dire qu'elle est interne au sujet de la perception. Cette action transitiviste, hein, je ne sais pas, c'est pas forcément facile à comprendre, hein. Que petit a c'est a prime et a prime c'est petit a. Je ne sais pas si vous... Je ne suis pas clair là. Hein. Vous voulez que je répète? Pardon. Il faudrait avoir le schéma sous les yeux. Il faudrait avoir le schéma sous les yeux. Schéma de Dallas. Vous savez quand... Enfin, vous savez dans le bouquet renversé. Mm.
Hein? Dans le bouquet renversé, c'est ce qui apparaît dans l'image qui s'appelle A prime. Hein? Et ce qui apparaît dans le miroir, c'est moi. Hein? C'est pour moi, je n'ai pas d'autre référence hein, en ce qui me concerne. Hein? Et en réalité, bon, après, il va y avoir justement, par cet acte préliminaire du transitivisme, à savoir que je suis capté par l'autre, je suis dans l'autre, je suis l'halluciné qui pense que l'autre, c'est moi. Hein. C'est à partir de là que je vais faire retour en arrière et déboucher sur le deuxième petit A qui est le A prime. Le A prime qui est donc moi, en quelque sorte. On pourrait peut-être remettre le schéma. Oui, moi, je ne l'ai pas sous les yeux. Enfin, je ne peux pas vous le... Ah, ben, c'est drôlement bien. C'est dit, là. Ah, oui. C'est I prime de A. I prime de A. Oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà. I prime de A. C'est I prime de A. OK. Voilà. Ce, que, hein, ce qui apparaît à l'œil, hein, c'est I prime de A. Hein. A, il est caché derrière, en bas. Et c'est seulement quand on aura l'explication de ce que c'est que le bouquet renversé qu'on va s'apercevoir qu'il y a un A. Mais au départ, on pense qu'il n'y a que de l'I prime de A. On est capté par le, par l'I prime de A ou le A prime sous, par le, hein, sous, le, sous l'œil là, qui regarde tout ça. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, hein, c'est que on retrouve ça chez chez Aristote, hein, à savoir que cette action, c'est Aristote hein, qui dit que il y a toujours quelque chose qui précède la production immanente. Il appelle ça la pratheine, hein, la pratheine qui précède toujours la poiène. Et la pratheine d'Aristote, c'est-à-dire la pratheine d'Aristote, c'est l'œil qui regarde. I prime de A, hein, on est d'accord. Hein. Et la poyenne, ben, après, c'est comment je commence à mettre de l'ordre dans ce que j'ai perçu, et à ce moment-là, je vais fabriquer un petit peu, je vais bien savoir que finalement, non, c'est A que je suis en train de regarder dans le miroir. Hein. Mais au départ, il y a une inversion. Et je pense que c'est quelque chose sur quoi il insiste énormément, parce que c'est quelque chose qui, effectivement, rejoint ce que l'on disait tout à l'heure sur la question de la folie, hein, à savoir tout le monde est fou, c'est-à-dire que tout le monde est confronté au transitivisme. Hein. Tout au moins, oui, on y est confronté en permanence. D'ailleurs, si je pourrais vous en convaincre simplement en parlant des... En parlant de la cure, hein, en parlant de la relation intersubjective, hein, essayez donc de vous pensez que le patient il pense cela, puis vous le laissez parler, vous lui le laissez dire ce qu'il pense, il pense pas du tout ce que vous pensiez qu'il pensait. Pas d'accord? Oui, ben, moi, personnellement, oui, j'évite de penser ce que pense le patient. Ah, vous avez raison. Ah oui, mais il nous a fallu des années pour y arriver. Je ne suis pas dans ce chemin-là, non. Oui, c'est une bonne idée. Il nous a fallu des années pour prendre cette distance. Oui, oui. Ah, au début, les gamins. Ça, c'est dans l'éthique. Hein. Je l'ai beaucoup travaillé. Ça m'a beaucoup soutenu. Vous avez dit, ouais. Qu'est-ce qui vous a beaucoup soutenu, pardon? L'éthique. Ah bah, bien entendu. Ah bah, bien entendu, oui. Ah bah oui, les règles de... Bah, oui. Et le développement. L'éthique. Oui. Bah, l'éthique de Lacan, c'est quand même quelque chose qui nous a enseigné. Pour ceux qui sont du monde médical, il n'y a pas d'éthique de la médecine. Hein. Il y a des dogmes médicaux, mais il n'y a pas d'éthique de la médecine. Hein. En réalité, ce que vous pensez que doit avoir le malade, c'est vous qui le pensez, et puis le malade, il n'a qu'à la fermer. Hein. Tandis que dans la psychanalyse, si vous ne prenez pas le truc à l'envers, comme vous êtes en train de le dire, s'il n'y a pas d'éthique, c'est-à-dire si vous ne vous dites pas, bon, mais voyons, moi, ce que je pense, ça ne compte pour du beurre, il y a ce qui compte, c'est uniquement ce que pense le patient, là, vous êtes dans la psychanalyse, on est bien d'accord tous les deux, là, c'est évident.
Mais ça, c'est parce que, justement, pour éviter les conséquences fâcheuses du transitivisme, dans la psychothérapie. Oui, il s'agit d'entendre. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que, je ne sais pas, vous avez certainement participé les uns ou les autres à des interventions un petit peu comme consultant auprès d'associations qui sont des associations d'écoute. Des associations de... d'écoute. D'écoute. Hein, qui sont différentes des associations où on prône des thérapeutiques, genre scientologie, si vous voulez, hein, qui sont des psychothérapies collectives. Hein. Je veux pas entrer dans les détails. Hein. Simplement, en quelque sorte, dans les gens qui pratiquent des écoutes se rendent bien compte que si ça veut avoir une portée, ce qu'ils font, il ne faut pas qu'ils soient là en disant, en prêchant la bonne nouvelle, en prêchant la vérité, en prêchant le dogme. Hein. Il faut être simplement à l'écoute des gens. Hein. Et le problème, c'est effectivement cette éthique qui permet à ces associations. Oui, justement, Lacan, en revenant, je ne sais plus dans quel texte, sur ce discours de à Bonneval, propos de la causalité psychique, il revient sur l'instant du miroir et il compare l'analyste à un miroir dans lequel un miroir sans surface où ne se reflète rien. Ah oui, alors parlant de l'analyste. Alors, il y a combien d'analystes qui arrivent à cette sorte d'idéal, si on peut dire, hein? C'est une tension. Je pense qu'il a évolué aussi. Hein, dans quel texte, ouais. Je fais des citations sans source, excusez-moi, je ne me rappelle plus. Lacan a évolué hein, dans ses écrits. Un miroir où on ne voit rien, hein, c'est ça. Hein, un miroir sans surface dans lequel il ne se reflète rien. Un miroir. C'est très intriguant. Il n'en dit pas plus, mais j'avais relevé cette phrase. Un propos énigmatique, la phrase complète, c'était il y a très longtemps dans le discours sur la causalité psychique, discours de Bonneval, peu après la guerre, j'ai parlé de ce miroir sans surface où ne se reflète rien. Ce propos énigmatique pouvait alors prêter à confusion avec je ne sais quel exercice d'ascèse plus ou moins mystique. Ah oui. C'est beau. C'est poétique, oui. C'est magnifique. Oui, le miroir d'Orphée dans Cocteau, où le personnage pénètre dans le miroir, les mains en avant, et disparaît dans le miroir. Oui. Enfin, à côté, là où on était, pour lui apparaître de l'autre côté. Mais ce qui échappe, à celui qui est resté dans la première pièce, je veux dire. Alors, il y a quelque chose, évidemment, qui nous fait réfléchir, parce que, évidemment, on s'interroge beaucoup, parce qu'on se dit, mais ai-je été bien à la hauteur de ce miroir sans surface dans lequel il ne se reflète rien? Et, évidemment, on est un petit peu pris d'avertige en disant, zut, 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 j'ai peut-être raté mon coup. Et effectivement, je crois que il faut quand même pas se leurrer. Hein. Chaque psychanalyste, il a sa position à construire. Hein. Parce que au départ, on a la volonté d'être psychanalyste. On voudrait bien être psychanalyste, surtout qu'on nous a dit que c'était des gens très bien. Hein, mais est-ce que on le fait tous de la même manière?
Pas nécessairement, regardez la querelle des écoles. Regardez, tiens, tout simplement, le père Ferranxi qui embrassait tout le monde. Et puis que moi, on m'a dit quand j'étais tout petit, surtout, surtout, tu ne dois même pas leur serrer la pince. C'est incroyable, ça. Hein, on se construit bien ça, chacun à sa manière. Et puis quand on voit quelques psychanalystes qui écrivent, bon, ils disent, oh, vous savez, moi j'ai construit mon truc. Bon, c'est pas dogmatique la psychanalyse. Hein. Si je dois être effectivement, je la connaissais pas la phrase, hein, mais si je dois être un miroir sans surface dans lequel il se reflète rien, ben, je le fais à ma manière. Je sais bien que mon voisin, il fait pas pareil. Non, vous ne croyez pas qu'il n'y a pas de manière idéale d'être un analyste. Non, d'autant qu'il y a l'analysant. Eh oui, absolument. Oui. Eh oui, on n'est sûrement pas le même avec d'un C'est une analysant à grande l'autre. part du boulot, mais Ah bien sûr. oui. Et puis, il me semble que fondamentalement, il y a une oscillation entre, du côté de l'analyste, entre incarner un petit autre ou le grand autre. Je pense que ce qui est un peu important, disons, c'est de ne pas être dupe lorsqu'un mot ou une phrase ou une phrase sort de la bouche de l'analyste, de savoir si c'est en position de petit autre ou de grand autre. Ce qui est gênant, c'est quand on méconnaît cette dimension. Mais on peut placer le grand autre dans le semblant et le petit autre, justement, dans ce discours qui n'en serait pas du semblant. Ça, je ne sais pas. Je dirais, oui, pourquoi pas, mais ce que je dirais, c'est que, enfin, j'ai la sensation d'agir comme psychanalyste seulement lorsque j'incarne ce grand autre. Dans les autres moments, c'est du tout venant, quoi. Et c'est pas gênant, si on n'en est pas dupe, quoi. Tu n'es pas toujours psychanalyste pendant toute Voilà, la durée de voilà, séance. voilà. Gérard résume bien en disant qu'on n'est pas toujours tout le temps psychanalyste pendant la durée d'une session. On n'est pas tout le temps. Et puis je reviendrai sur ce que disait Paulette tout à l'heure, c'est que c'est l'analysant hein, qui compose l'analyse à sa manière. Hein. Ce qu'il faut, nous, c'est qu'on évite de lui tendre des pièges, hein, mais c'est lui qui fait tout ça. Hein, et effectivement, c'est là où, effectivement, par contre, où c'est particulièrement clair, c'est quand le psychanalyste se laisse complètement piéger à ah, dites donc, vous êtes drôlement bien, je vais vous recommander à la population de toute la ville. Hein Je vais Ah, vous êtes vous recommander à insupportable, toute la population de la ville. je vais vous faire zigouiller par le juge. Ben, c'est pas assez. Hein. Et à ce moment-là, c'est bien quand même là que le psychanalyste il va se différencier du commun des mortels, quand même. Je veux dire, du commun de l'agent médical. Hein. Hein, Oui, ce qui se disait tout à l'heure, ça me faisait repenser à ce que je me suis dit parfois. C'est que je pense qu'on peut travailler bien comme psychanalyste tout en étant un très très mauvais psychologue. Peut-être aussi, oui, si on. Eh oui. Enfin, quoique psychologue, c'est. Est-ce que tout psychologue, mais ça, ce serait dogmatique, ne devrait pas être psychanalyste? Il vaudrait mieux, mais enfin, bon. Ce n'est pas le même discours. Ah oui, je suis Le d'accord, oui. psychologue est dans le discours de la science ou de l'université. Oui, bien sûr, oui. L'analyste, c'est le discours de l'analyste. Ah oui, on est bien d'accord là-dessus. Oui, bien Et sûr. je me rends compte que vous m'avez appelé Paulette, donc mon ordinateur doit s'appeler Paulette. Je Oui. suis Valérie Viduzès. Je Brzez, Paulette, il y a pardon. marqué Paulette. Valérie. Valérie vit à Uzès, dans le Gard. Valérie. Là, il y a marqué Paulette Soulier. Hein. Oui, Oui, c'est le nom oui. de mon ordinateur. Oh! Ah bon, ah bon, bon, bon.
Donc, c'est Valérie comment? Vie, VIE, à Uzès. Valérie Vie. Ah oui, d'accord. Oui, je vois. En tout cas, Bon. vous Oui. nous amenez à nous questionner sur notre position subjective, là, hein, sur notre et là où on en est arrivé de notre. Oui, parce que vous parlez, psychologue est une profession, une formation. Psychanalyste, presque j'ai envie de dire, est une forme de déformation. On n'est pas dans le même discours. Oui. Si on reprend les quatre discours de Lacan. Ah tiens. Ah oui, alors là, ah tiens, oui. J'aurais. Hein? Oui, j'aurais mis quand même la formation du côté pas du côté du discours de l'université. Vous savez qu'à l'université, on ne fait pas de la formation, on fait de l'enseignement. Oui. Hein? Donc, il n'y a pas de formation. Dans le monde médical, vous faites toutes les études de médecine sans. Uniquement par enseignement, hein, il s'agit de ressortir des questions par cœur et de bien répondre exactement comme on nous a dit de répondre. Et c'est pas du tout la même chose dans le personnel soignant qui ne sont pas forcément issus de la faculté de médecine. Par exemple, on parle beaucoup de la formation des soignants. Parce que les Oui, soignants, c'est ce vrai. qu'ils recherchent, c'est effectivement à trouver la possibilité de s'inscrire en tant que personne soignante. Oui, mais les écoles institutionnelles de psychanalyse parlent de la formation du psychanalyste. D'ailleur, Oui, d'accord. Oui. j'ai un quarto qui est titré La formation sur mesure du psychanalyste. Ah, Ah. bien. Oui, mais il y a quand même du mouvement dans tout ce que vous dites là. C'est quelque chose qui montre qu'on a quand même tous un cheminement personnel et qu'il y a aussi un cheminement de la société à l'égard de tout ça. Je pense que le grand progrès de la psychanalyse, c'est ce qu'elle a pu soulever comme question qui n'était pas soulevée auparavant, et l'intérêt en particulier porté à la personne. Alors qu'on appelle ça, si vous voulez, bon, peut-être une continuité avec le Nouveau Testament ou avec une nouvelle vision de la société ou quelque chose, peu importe dans quel contexte historique on va l'inscrire, mais ce qui est essentiel, c'est que la psychanalyse soit porteuse d'une évolution, hein. Oui, mais il faut quand même rester vigilant parce que d'ailleurs, c'est tout le propos du texte de ce soir, Ah oui. il parle de l'organicisme. Aujourd'hui, on peut parler de la gestalt théorie ou je sais plus le gestalt, je sais plus le Oui. nom, le terme exact, où il y a une récupération de notions psychanalytiques très mal comprises. Avec des desseins et des objectifs qui sont quand même tout autres que ce qu'il en est d'une analyse et de ce qu'elle Oui. Alors, à ceci près que, par exemple, il y a des gens qui ont essayé de faire des rapprochements avec les neurosciences. Alors, Oui, ça pourrait être justement, encore je bien parle pire. de ça. Ça pourrait être encore bien pire. Hein. Merci. Oui, les neurosciences, oui, c'est pas tout à fait pareil, mais avec les neurosciences, c'est-à-dire la biochimie cérébrale, etc. Et effectivement, je pense que où j'ai entendu parler du RSI, hein. Les neurosciences, c'est le réel, hein. Le réel, l'imaginaire et le symbolique, et des neuroscientifiques qui, effectivement, voient bien que, il y a tout autre chose dans la relation entre le patient et son thérapeute que de la biochimie cérébrale, peut très bien quand même montrer que ça n'est pas non plus entrer, comment dire, dans un dogmatisme psychanalytique où il serait interdit d'étudier la biochimie et les neurosciences, par exemple. Hein? Non, enfin, je veux dire par là que il y a quelque chose qui, bon, ben, Einstein, ou plutôt Hopkins, qui lui a succédé,
disait des choses qui montraient qu'il s'interrogeait aussi beaucoup sur l'éthique. Mm. Hein, vous voyez, dans le sens où vous l'amenez là tout de suite. Hein, ça les en... Alors... Mais l'éthique, oui, là aussi. Ah, mais la vraie... Qu'est-ce qu'on dit quand on dit éthique? Est-ce qu'on parle de éthos ou de éthos? Ben, oui, mais dans le bon sens. Moi, je pense qu'il y a des moments où on voit bien que ces gens-là étaient dans le bon éthos, si vous voulez. On va dire le bon et le mauvais éthos, si vous êtes d'accord. Mais je pense que non. Il y a l'éthique selon aristotélicienne et l'éthique de Lacan. Donc là aussi, c'est... Ah, vous établissez, oui. Alors, c'est subtil. Voilà. Oui, vous établissez une grosse différence, hein, oui. Alors, effectivement, c'est là où ça permettrait de dire qu'Aristote, lui, est venu avant que la question de l'éthique ne se pose vraiment. Donc, il était dans la morale, lui. D'ailleurs, là, on traduit toujours les éthiques d'Aristote, hein, ça, la morale à Nicomaque. Enfin, maintenant, on a peut-être changé, hein. Mais parce que c'était éthikos, hein, ou éthika. Mais oui, on dit souvent la morale aristotélicienne. Hein, c'est une interrogation dans le sens où il y a éthos et éthos, comme vous disiez. Hein, c'est-à-dire, il y a... Oui, dans le sens où il y en a une qui demande, qui exige une correspondance à une entité, à un ordre supérieur, et prédéfini, une valeur. Et il y a une éthique qui est une position du sujet. Seul. Tout à fait. Oui, sur la chose. Je seul avec lui-même. On est complètement d'accord. Là. Oui, absolument. Absolument. Mais la question que vous posiez, néanmoins, est très difficile à résoudre, parce que je pense quand même que la question du sujet se pose depuis longtemps. Elle est pas, il a, on n'a pas attendu, on n'a pas attendu, comment dire... Les modernes philosophes pour en parler du sujet, quoi. C'est ça que le sujet certainement était présent quand même, hein, mais il n'arrivait pas à accéder en raison du discours universitaire, qui était le discours dogmatique aussi des pères de l'Église, par exemple. Les questions-réponses de Thomas d'Aquin. Mais attends, dis-moi, Pierre, tu à t'entendre, tu as la sensation, parce que je connais pas grand-chose sur l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées, tu as la sensation que avant Lacan, il y a déjà eu un glissement, voilà comment je le dirais, un glissement du verbe, un glissement dans la phrase du verbe vers le sujet. Bon, il me semble qu'une grande avancée de Lacan, que moi je me situe à Lacan, mais peut-être que ça avait déjà été constaté avant, c'est que il insiste très très judicieusement que pour chaque phrase prononcée par l'analysant ou par nous-mêmes, eh bien, ce qui compte, c'est pas l'usage du verbe qu'on fait, mais c'est l'usage du début de la phrase, c'est-à-dire du sujet, du nouveau sujet qui apparaît à chaque nouvelle phrase et qui se clôture à chaque point final de chaque phrase. Et notamment, le plus évident, c'est tout ce qui tourne autour de l'usage du verbe être. Je suis un voleur, je suis homosexuel, je suis un criminel, je suis un homme, je suis une femme, tous ces verbes où toute l'ontologie traditionnelle nous fait nous focaliser sur le verbe et non pas sur le sujet. Et ce que nous enseigne Lacan, c'est dire non, ce qui compte, c'est pas je suis un voleur, c'est je, et non pas le suis qui est important. C'est cette remontée syntaxique vers le début de la phrase
qui me paraît pour moi une énorme avancée lacanienne. Maintenant, peut-être que c'est quelque chose qui avait déjà été spécifié très auparavant par des philosophes. C'est là où il est, avec Descartes. Il... Tu penses que ça vaudrait le coup qu'on travaille là-dessus, sur l'apparition du sujet dans la recherche philosophique, par exemple? Oui, mais Olivier cite Descartes. Oui, mais dans. Il remet en question complètement. Bah, Je suis, et ça revient sur la phrase qu'il cite au début. C'est je pense là où je ne suis pas. Ah oui, mais ça c'est ce que dit Lacan. Oui, ben c'est ça. Mais ce que dit Descartes, oui. c'est qu'il fait. C'est l'inverse. C'est vrai, toi, un sujet. On dit la même chose. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est là où il amène. Voilà. C'est une rupture avec le. Descartes s'intéresse. Avec Descartes. Il s'intéresse à l'ontologie. Voilà, c'est ça. Et avec Lacan, on s'intéresse au sujet. Oui. Au sujet. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien Marc-Alain Watling, c'était surtout ça. Il disait, en hébreu, je suis n'existe pas. Le verbe, c'est uniquement je serai. Ah oui. Attends, tu peux répéter? En hébreu, le verbe être au présent n'existe pas, c'est pas je suis, mais c'est je serai. La fixité de l'être, je serai. Le futur. J'aurais été. C'est un je serai. C'est le verbe être ne se conjugue que dans un je serai. Non, c'est j'aurais été. Si vous faites référence à ié, à cher ié. Oui. Effectivement, je serai qui je serai. Je serai. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ça dit la non-fixité. C'est l'être ne peut être pensé que dans un mouvement. Et pas dans un état de je suis qui amène un définitif à la position du sujet. Ça, c'est une vraie différence. Fondamentale. Chez Lacan, c'est j'aurais été. Alors, vous parlez de quel texte alors ? Oui, mais cette temporalité aussi d'un passé qui est celui d'un futur. La question des temps est fondamentale parce que ce passé. Un futur antérieur. Oui, c'est un passé dans lequel se construit le futur. Mm-hmm, c'est exactement ça. Oui, mais j'aurais été. C'est un passé. Parce que j'aurais été, c'est un conditionnel passé d'une chose qui. Je pourrais être. C'est le futur antérieur, j'aurais été. Est-ce que vous voulez bien répéter la totalité de la phrase? Parce que j'ai du mal à vous suivre là, sur le « j'aurais été ». Ce serait quoi la phrase où il y a « j'aurais été » ? Je la cherche. Parce que la phrase de Descartes, de Freud, pardon, on la connaît bien, puisque c'est un Allemand qui a été traduit dans une sorte de avec tous les temps, de toutes les façons possibles, mais Lacan, je crois qu'il en a parlé différemment dans plusieurs de textes. Freud dit c'est là où je serai, là où j'étais, je serai. Ouais, ça, là où cela était, il importe que je advienne. Voilà. Donc, venir. Bah oui. Voilà. Tout est dit là. Donc on est bien effectivement dans l'importance fondamentale du sujet déjà dans Freud, bien entendu. Oui, Freud était lacanien. Oui. Oui. C'est là-dessus qu'on fonde la nouveauté. Vous pouvez la répéter, monsieur Simoni? Donc, ce vos espaces vos soli werden, si on le traduit le plus littéralement possible, là où ça était, le ça, il importe que je advienne. Le je. Là où ça était, il importe que je advienne.
voilà. Donc c'est important. C'est important de wo es war, wo es war, soll ich werden. Hein? Wo es war, là c'est un passé, n'est-ce pas? Virgule, soll ich, dois-je, merde, soll ich werden. Werden étant le futur de, étant hein, le passif, le passif du verbe être, hein, soll ich werden, werden, hein. Ah oui, ça veut dire devenir en général. Oui, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Oui, par devenir, oui. Où ça était, dois-je devenir. Advenir. Dois-je advenir. Alors, par rapport à la temporalité, quand vous disiez tout à l'heure temporalité, là où c'était, c'est un imparfait, c'est-à-dire qu'on se place au temps où c'était le ça, hein, c'est en ce temps-là, je dois advenir. C'est-à-dire que je vais passer son temps à devoir advenir tout du long. Il ne va jamais s'arrêter de devoir advenir. Voilà. Et alors, et ce qu'apportent Freud et Lacan, je ne sais pas bien différencier l'un et l'autre, c'est qu'effectivement, où est-ce qu'il est mon crayon ? C'est que ce « ich », il change à chaque phrase. Je suis allé au cinéma hier, j'ai vu un bon film, j'étais avec ma femme qui, elle, n'a pas aimé, mais j'ai pu lui expliquer en quoi ce film m'a plu, et je suis allé dîner ensuite. Tous ces « je », c'est autant de sujets qui émergent dans la temporalité de chacune des phrases et qui se clôturent à chaque point final de chaque phrase. Et ça c'est fondamental parce que ça conditionne de A jusqu'à Z tout le travail analytique où les patients, la plupart du temps, viennent focaliser sur l'être, sur le et ils veulent changer d'être. Hein? Alors, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que moi, j'ai l'habitude, quand je l'écris, de mettre « je dois D-O-I-T ». Oui, par exemple. Pourquoi D-O-I-T plutôt que D-O-I-S ? Parce que ce n'est pas moi qui vais décider. Oui. Oui. C'est ma destinée. Oui. C'est que je... Le je, en tant qu'entité je, doit advenir que je le veuille ou non. Voilà. D-O-I-T ou D-O-I-S. Oui. Est-ce que tu veux dire, est-ce que le ich, en fait, résonne sur le S, c'est-à-dire sur le ça. Voilà, oui, c'est bien sûr. C'est ça qui conditionne le ich. Ce sujet, il a été inventé, je vais pouvoir le jaculer par ma bouche à partir de ce que c'était. Oui, c'est ça. Ouais. À partir de là où c'était. On est quand même aidé dans tout ça par tout ce que Lacan nous a apporté sur l'apparition, la naissance, la genèse du sujet au cours de la cure psychanalytique. Hein? Ouais. Je pense que ça c'est quand même très important parce que là on découvre mieux ce que c'est que ce jeu, parce que tu sais quand on parle avec des gens qui n'ont jamais fait d'analyse, hein, et évidemment ça nous arrive à tous très souvent, eh bien, à ce moment-là les gens sont parfaitement familiarisés avec la notion de l'épanouissement personnel. Je fais une analyse parce que je veux être moi-même, hein. Je veux exister en tant que sujet. Si tu dis ça à des gens, ils vont comprendre quelque chose. Mais ils ne parleront pas du sujet de Lacan. Hein, alors, parce qu'ils ne se poseront pas les questions grammaticales. Ils ne se poseront pas la question de savoir qui commande dans tout ça. Hein, parce qu'ils n'ont pas fait d'analyse. C'est que pour le moment, ils sont pleins d'illusions. Hein, ils pensent qu'ils vont y arriver tout de suite.
Alors, j'ai un patient qui, lui, justement, pour m'expliquer pourquoi il voulait faire une analyse, qui n'a pas utilisé le verbe être, mais le verbe avoir, il a dit « je veux faire une analyse pour avoir de la chance ». C'est pas mal. Ouais. On pourrait dire pour avoir l'occasion de choisir ce que je veux, par exemple. Oui, oui, c'est hein, avoir de la chance, c'est avoir de la chance, c'est réaliser mon désir. Voilà, oui, voilà, puis on peut entendre pour aller y voir aussi. Pardon, oui. On peut entendre le avoir en deux mots. Ah oui, oui quelque oui, chose avoir, à voir. Avoir en deux mots, effectivement aussi. Oui, oui. Et cette phrase-là, écrite au tableau de Freud, elle introduit bien la temporalité nécessaire pour que oui, le sujet... Oui, nécessaire, absolument nécessaire. Au commencement était le verbe, le sujet, c'est bien après. Voilà, voilà. Non, alors, cette phrase de Freud, parce que c'est intéressant, on peut le noter comme ça à titre anecdotique, elle est en exergue de la Traum de Tung et ouais, elle est en conclusion des nouvelles conférences. Oui, c'est d'amener le S2 en position de S'2, là, ici, c'est-à-dire hein, vos S phare en tant que vérité, eh bien, il importe que ce soit je qui s'en empare, ou qui se l'approprie. Parce qu'ici, c'est le temps qui s'écoule, hein, bien sûr. Mmh. Bon, bah, écoutez, peut-être que sur ces... ces phrases définitives, on peut peut-être en rester là pour aujourd'hui. Où est-ce que tu nous emmènes la prochaine fois? Bah écoute, d'abord, il y a la question du quand de la prochaine fois. Ce serait, si on reste sur le troisième mardi, ça va, je ne sais pas si ça sera les vacances de Pâques ou pas, auquel cas ça serait repoussé en mai. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Bon, c'est vrai qu'on peut revenir là-dessus, c'est indéfini, mais peut-être que si tu as des idées ou vous avez d'autres idées, ce serait vraiment bienvenu, quoi. Non, moi, j'ai juste le S2 qui me gêne sous le S1. Pourquoi ? Dans quel des quatre discours le S2 est sous le S1? Ah, non, alors, c'est, non, non, là, ah. là ça définit la temporalité de l'énonciation. C'est-à-dire que lorsque j'énonce quoi que ce soit, j'ignore au niveau timing, hein, si j'ai T0, T1, T2, T3, eh bien, autant T0, j'ignore ma motivation pour dire S1. Quand je dis S1, je ne peux pas avoir accès simultanément à la motivation qui me conduit à dire T1. Par contre, l'instant d'après, je peux avoir au niveau de ma conscience le fait que j'ai dit S1 parce que j'avais comme intention S2, ce qui fait dire qu'effectivement la structure de cette barre est différente d'une structure de fraction, c'est une structure d'un anneau de Möbius, quoi. Mmh. Hein? Et que j'ai accès à l'autre face de l'anneau de Möbius lorsque le temps s'écoule. Hein? C'était une démonstration de la temporalité. Oui, voilà, de la temporalité irréductible de l'énonciation. Et que l'énoncé n'est accessible que l'instant d'après, évidemment, et là, évidemment, ce qui est masqué, c'est qu'évidemment, ce S'2, c'est en fonction d'un S3 qui est, évidemment, l'anneau de Möbius, il continue à sa structure persiste, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est déjà passé. Oui. C'est toujours... Oui, mais ce qui est intéressant, est-ce que ça veut dire que le sujet n'existe pas dans le présent?
Il s'énonce, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il s'énonce dans le présent, oui, mais on l'a que après coup. Il disparaît. Ouais. On l'a que dans l'après coup, il disparaît. Oui, oui. Voilà, alors c'est justement cette évanescence. Oui. C'est pour ça que ça n'a pas tellement de sens de dire ah bah oui, mais moi je suis un homme donc je ne veux jamais être une femme, alors qu'en fait il y a cette dialectique permanente. Mmh. Que le travail analytique permet d'accepter, par exemple. Donc justement, c'est le fait que le sujet, il est évanescent. L'évanescence du sujet. Il s'évanouit au fur et à mesure, mais au fur et à mesure où il s'évanouit, j'ai éventuellement accès à la motivation qui m'a fait choisir ce sujet. Il renaît ses cendres. Voilà, il renaît ses cendres. Bon, bah écoutez, oui, donc... Proposer quelque chose. Je ne crois pas que tu aies fait quelque chose encore sur l'identification. Notamment les identifications. Si tu veux, parce que oui, d'abord la conclusion que je mettais dans le topo que j'avais écrit là, c'était que je parlais de la différence entre la similarité et l'identité. Hein. Et puis là, quand vous parlez de, effectivement, ce qui est caché, ce qui ne l'est pas, etc., hein, on parle effectivement de ce qui s'identifie à chaque instant. Hein. On a parlé aussi de A et de A', là, avec beaucoup d'incertitudes les uns ou les autres. Et le séminaire sur l'identification est très compliqué, mais il est quand même très riche. Et l'identification est très liée à la causalité psychique. Absolument. Oui, absolument. Lacan le résume d'ailleurs dans une phrase, hein, il dit « l'identification est la causalité psychique même ». Absolument. Oui, dans le cas aimé, sa thèse de... 1936. Il parle de ça et il parle encore dans l'écrit, dans ce qu'on a lu dans l'écrit, le lien dans la causalité psychique et l'identification. Oui. Voilà, en plus, effectivement, par rapport à ce qu'on vient de dire sur le sujet, l'identification s'oppose à l'identique, à l'identité. Parce que y a des mots comme ça en français qui sont des contresens structurels. Quand on parle d'identité, quand on parle d'individu, un individu, c'est quelqu'un qui n'est pas divisé. C'est une gageure. Ce sont des mots qui sont employés tout le temps, mais qui sont des contradictions internes. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'individu. C'est pour ça qu'il écrit l'identification. Oui. Identification et non pas l'identité. Ouais. En tant que processus. Voilà. Oui. C'est-à-dire que l'identification, elle comporte plusieurs étapes et plusieurs aléas. Hein? Et tous les schémas, justement, de Lacan montrent les problèmes de l'identification. Et quand on parlait du transitivisme tout à l'heure, on était bien dans la question fondamentale de l'identification. Oui. Parce que le transitivisme, si effectivement il est si commun dans la vie de tout le monde par le stade du miroir, effectivement c'est une préoccupation majeure. Il ne faut pas oublier que justement dans les relations avec les autres, les phénomènes de transitivisme sont justement les principales causes de disputes et de guerres. Hein. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord là, mais il me semble que il y a quelque chose... pour ces personnes qui se prennent pour Napoléon, comme on disait tout à l'heure, hein, ou qui se prennent pour
ou qui se prennent pour le roi du monde, ou qui se prennent pour Dieu, etc. Quoi. Enfin, hein, On en connaît un qui se prend pour le président de la République, alors tu sais. Bon, bah écoutez, on va peut-être rester là, si vous voulez bien. Et je vous remercie. Merci Pierre de ces développements qui nous a énormément aidés. Merci beaucoup. Tu veux le publier, le petit texte que je t'avais envoyé? Je me demande si je l'ai pas. Il me semble que je l'ai peut-être déjà mis sur l'UTCOM, mais je regarderai. Ah, d'accord. Je suis pas sûr, je regarderai.